L'effet marquant, il y en a eu plusieurs. La première saison, on joue le maintien. Donc saison un peu stressante avec, avec des hauts, des bas. On a un super parcours en Coupe de France. On a la chance de recevoir des grosses équipes de D2 et de D1, notamment Dunkerque qui a été champion de France 4 ans plus tard. Et puis petit à petit, le club s'est développé avec la venue de grands joueurs et notamment l'apport de partenaires privés qui nous ont permis de grandir en recrutant d'anciens joueurs professionnels pour leur offrir du travail et puis monter un club et l'aider à monter les échelons. C'est important de garder en tête ce qu'on a réalisé, mais c'est aussi important de voir ce qu'on est capable de faire par la suite. Donc je pense aussi qu'on fait tous un sport collectif pour vivre de belles choses. Parfois on en vit des moins bien, mais je pense que l'aventure humaine c'est quelque chose qui nous représente bien à ce niveau-là. Il y a une belle bande de copains ici, je pense qu'on a encore de belles années à vivre, je l'espère en tout cas. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter, accéder un jour à la Pro D2. Et je pars souvent de projets territoriaux parce que ça ne concerne pas le club, ça va au-delà du club. Je pense qu'il est important qu'un jour il y ait un club professionnel dans le coin, donc en espérant que ce soit Amiens.